Depuis le tollé provoqué par l'absence des enfants biologiques de Johnny Hallyday dans son testament, l'image de Laetitia Hallyday a été très écornée. De nombreuses personnes accusent la veuve d'avoir manipulé le chanteur pour que David et Laura ne touchent pas un seul centime. Les deux enfants biologiques du regretté rocker et Laetitia Hallyday se livrent désormais une véritable guerre. Le 15 juin 2018, Johnny Hallyday aurait eu 75 ans. Un hommage au chanteur a été rendu à l'église de la Madeleine pour cette occasion. Restée à Los Angeles, Laetitia Hallyday a dû avoir les oreilles qui sifflent. Michael Ketchum Hallyday, cousin de Johnny, a pris la parole lors de cet événement. Il a alors mentionné Laetitia dans son discours. Je voudrais rendre un hommage particulier à Laetitia Hallyday qui a réussi avec force, courage et abnégation à mettre de la douceur avant toute chose dans la vie tourmentée de Johnny. Sa phrase s'est vue agrémenter des huées de certains fans, avant que d'autres ne couvrent leur voix par leurs applaudissements. Cela n'a pas empêché Michael Ketchum Hallyday de poursuivre en complimentant la veuve. Cette jeune femme qui, avec jade et joie, a fait de Johnny un homme apaisé, et une figure paternelle incontournable pour tous ses enfants. Closer, @closerfr, June 15, 2018.